24 heures sur 24. Bon début de week-end à vous, adorables téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les vendredis lorsqu'il est 17h sur Info TV dans le cadre de votre talk show préféré Le Monde en Relation. Une émission qui est là pour vous procurer la bonne humeur en début de week-end. J'espère que vous portez super cool, super bien. Même si ce n'est pas le cas, tâchez toujours de garder la bonne humeur car demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Alors j'ai à m'accompagner une jeune équipe dynamique qui est là pour vous offrir 52 minutes de bons moments sur ce plateau. Je vais commencer par Darrell Patrice. Alors Darrell, bon début de week-end. Bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Merci à toi, Landry. Merci à tous ceux-là qui nous permettent de nous retrouver ici aujourd'hui. Bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs d'Info TV. C'est un plaisir de se retrouver ici ce soir. Alors, j'espère que tu te portes très bien et que le week-end s'annonce whisky, soda, champagne, ça n'est pas où? Il s'annonce plutôt en couleur. Nous serons ce soir du côté de Bastos. On va s'amuser avec les populations de ce côté-là et bien sûr de tous les horizons de la ville de Yaoundé. Vous savez, un vendredi soir, c'est bien musique aussi. Ah d'accord, ça nous fait de la joie au cœur de savoir que parmi nous, il y a des personnes qui portent du bonheur, qui portent du sourire en eux. Ça nous permet nous également de partager ce bonheur-là avec vous. Alors également, il y a des nouveaux visages sur ce plateau, ce sont des dames. Elles sont là pour vous procurer également de la bonne humeur. Vous savez que la femme, le bonheur est féminin en fait. Même si on nous dit, on dit le, mais le bonheur est féminin. Le bonheur vient des femmes. Alors quand les femmes sont sur ce plateau, illuminer ce plateau. C'est pour vous donner un bon week-end, pour vous permettre d'avoir un week-end illuminé. Je vais commencer par Olga Bessala, qui est juste là à ma gauche. Alors Olga, c'est ta première fois d'être sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir. Bonsoir Landry, et bonsoir déjà à tous les téléspectateurs. Oui, c'est ma première fois d'être là et je suis plutôt ravie d'être parmi vous et également d'être scotché à l'antenne pour voir également comment ça se passe. D'accord. Alors, je salue également, il y a également Bianca Oyono qui est avec nous sur ce plateau. Elle est là également, une jeune dame, elle est là également pour partager 52 minutes de bon moment à votre compagnie, chers téléspectateurs. Alors, bonsoir Bianca et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir Landry et bonsoir aux téléspectateurs. Je suis très contente d'être sur ce plateau et de passer ce moment agréable. Alors, j'espère que vous allez nous procurer de la bonne humeur. Vous allez également procurer de la bonne humeur aux téléspectateurs qui vous regardent à la maison. C'est relax, c'est pas le monde en relation, c'est pas la frappe. Il n'y a rien, il n'y a pas le feu, comme on dit au quartier. C'est posé, il faut juste se détendre, rigoler. Tout à l'heure, on aura des blagues grâce à la première rubrique vue sur la toile. Donc du coup, c'est relax. Alors, ce vendredi 3 septembre 2021, nous recevons sur ce plateau un jeune entrepreneur. Mais avant d'aller prendre, d'accueillir notre invité sur ce plateau, il y a confortablement installé. Nous allons prendre la première rubrique de ce programme qui est vue sur la toile et puis on se retrouve derrière pour commenter.
Nous sommes de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Je suis sûre que vous avez également, ces images vous ont arraché du sourire en ce début de week-end. Alors, Olga, tu as vu ces images-là. On va commencer par le billet de 10 000 alias, on l'appelle Marie Gombe. Je vais commencer plutôt par Darrel, ouais. Parce que les femmes, nous, on l'aime bien. Parce que si Olga parle à propos de ce billet, ça sera tout un, ça sera du bavardage sur ce plateau. Je préfère commencer par Darrel. Alors, Marie Gombe, la seule femme qui a plusieurs épouses sans se plaindre. Non, il faut déjà dire que ce sont des séries de métaphores qui défilent sur la toile depuis un certain moment. Les billets d'argent, et en fonction de leur utilisation, on les attribue des titres et des noms. Là, nous avons Anne-Marie Gombe, qui est la plus belle femme d'Afrique centrale. Alias Miss Univers, toujours imitée, jamais égalée, la seule femme qui méritait d'être la coépouse de toutes les femmes, et ce sans rancune. Et en fait, on la désire même. Donc, c'est comme pour dire que le billet de 10 000 francs, c'est un billet très apprécié par tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. C'est un billet que non. Lorsqu'on te le donne, c'est que non. On peut prier pour toi même pendant une semaine. Donc, c'est le seul billet que lorsqu'un homme le tend à une femme, il ne s'attarde pas sur qui est véritablement sur la photo du billet. Et c'est la dame sur la photo du billet qu'on a attribué le nom de Marie Gombe. Oh là là, ce nom. Quand tu vois une fille qu'on appelle Marie Gombe, tous les hommes veut l'avoir comme épouse, voilà. Et que les femmes veulent avoir comme co-épouse. Quand tu entends une femme écoute le nom de Marie Gombe, quand son mari rentre ou alors son gars rentre le soir, elle écoute le nom Marie Gombe. Voilà, oh mon Dieu, le ce soir-là, le gars-là sera chuchoté d'une manière exceptionnelle, d'une manière extraordinaire. On n'a pas besoin d'elle. Il y a les cadets là, non. Pardon, ça ne nous ressemble pas. Là-bas, c'est le plafond. Non, là-bas, c'est le plafond. Et on aime encore ça. Si tu peux me le donner en double. Voilà, en double, en triple, ou alors plus. Même si c'est pas une semaine de sandier, c'est encore plus. Là, je sais encore, au fur et à mesure, c'est beaucoup. Au fur et à mesure, on se sent heureux. On se sent à l'aise, on se sent bien dans sa peau, on a du bonheur. Quand on a plusieurs Marie Gombe dans la poche, là, oh mon Dieu, je ne sais pas si ça vous fait le même effet que moi. Chez moi, de mon côté, quand j'ai ça, oh là là, mon visage est super cool. Alors, Olga, on a également le petit frère de Marie Gombe, Dagobert. Tu aimes Dagobert ou alors? Bien sûr, j'aime Dagobert tant qu'il est vert, non? Dagobert, c'est le bien vert. C'est le bien vert. Oui, j'aime bien. Ah bon? Non, si un gars te donne ça, tu te contentes de ça ou alors tu vas lui demander. C'est vrai que moi, j'aurais aimé avoir comme co-épouse Marie Gombe, mais je peux y quand même me contenter de ça parce que c'est pas quand même mal. Ouais. Si on donne également ça à une femme, elle peut également accepter. Et sinon, par rapport aux blagues, vraiment, ça fait carrément rire. Attribuer vraiment les noms au biais en fonction de leur utilisation et tout, vraiment, ça régale vraiment les gens. Alors, on a également Bouta. Bouta, le petit frère de Dagobert, hein, Bianca. Comment tu trouves le petit frère de Dagobert, Bouta? En décembre, il a chauffé. Il était à la une, 2000. Le syndicat avait voté. Voilà la petite sœur de Dagobert et de Marie Gombe. Donc, en décembre, là, c'était 2000. Tu entends ici 2000. Le syndicat fait que c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce que toi, tu en penses pour le 2000 ou bien? 2000 m'intéresse, mais pas trop. Hein, parce ah bon? Que Marine Gombe, là, c'est ma meilleure amie. Ah c'est ma meilleure Les amie. Les femmes sont terribles. Hein. Mais si un gars te donne 2000, ça, tu vas accepter. 2000, c'est raisonnable. Je veux dire, j'en paye ton transport. Mais c'est ça la devise. Parce qu'en dessous, mais là, tu fais des sous vraiment bien. Non, mais les biens qu'on retrouve à la rue de la joie, là-bas, c'est ce que toi tu veux. Tu n'as pas de carrière. Marie Gombe, c'est ma meilleure amie. Ça veut dire que je préfère. Tu t'as détesté, mais tu t'as détesté dans la petite sœur de Marie Gombe. Tu fais quoi avec? Non, tu dis ça, les téléspectateurs vont penser que. Je prends d'abord quand même. Ah, tu veux passer ici les rimes, tu peux faire. Non. Marie Gombe, moi, je sais pas comment la couleur. Parce que sa couleur, elle me fait mal aux yeux. Est-ce que c'est facile alors d'avoir Marie Gombe? Ah ben oui. À défaut de ce qu'on aime, on se contente. Ah ben oui. Nous sommes toutes des jeunes dames. Nous sommes, nous sommes de la nouvelle génération. Nous sommes belles. On a du charisme. Et tant qu'on a du charisme, on peut obtenir ce dont on désire. C'est pas facile, mais nous, on peut obtenir ce qu'on désire. Alors, on a le droit et on a toutes les capacités nécessaires de pouvoir obtenir Marie Gombe, même en travail. Et pourquoi pas même si un ami nous donne. On a également la dernière image du billet de Mbouta. Lui c'est Boum le frère cadet de Marie Gombe. 1000 francs colo, c'est 1000. Comment dire, quartier. On y a les filles de mini femme là qu'on dit que bientôt on va même sortir le pas de billets à pas. Les billets même de 200 comme ça, 250 colo. On les retrouve beaucoup plus dans le genre de secteur là.
Alors, les filles, hey, Patrick, dis-nous quelque chose, parce que c'est toi, tu es un homme. On dit que Boum Dagobert, c'est le frère le plus sympa de la famille et le moins estimé. Donc, en fait, quand il y a la réunion, c'est toujours lui qu'on envoie acheter. C'est toujours lui qu'on envoie acheter la bière. Et c'est le meilleur ami des policiers, des contrôleurs et tout. Vous avez parlé tout à l'heure de la rue de la joie. C'est le bien qui court le plus de ce côté-là. De toutes les façons, moi, je suis dans la logique selon laquelle on se contente toujours de ce qu'on a, même si on peut en avoir plus. Vous avez oublié de mentionner une chose tout à l'heure lorsqu'on parlait de Cécile, bien de deux colos. On peut vous en donner un, comme on peut vous en donner quatre, qui vont faire équivalent à Marine Gombert. Donc, c'est important aussi de le préciser. Non, quand c'est plusieurs, on peut en donner cinq petits cadets, mais quand c'est seulement un seul. Voilà, là, ça devient un peu bizarre. Ça devient bizarre, vraiment. Quand c'est un seul. Pourtant, Marine Gombert, même si tu donnes un seul gars, tu calmes quand même les nerfs de la fille, là. Ouais. Tu adoucis le cœur. Le cœur est quand même, bon, ok, je peux changer si on me rembourse même encore plusieurs billets. Mais quand tu changes de colo, on va te rembourser quoi? Tout compte fait, chacun se contente de ce qu'il peut avoir, de ses avoirs, du moins de son avoir. Je ne pourrais pas vous donner une Marine Gombert si je n'ai pas la possibilité de le faire. Ouais. Si j'ai la possibilité de vous donner une c'était Cécile qui l'a, une Cécile ou alors un Dagobert, il ne sert à rien de le bouder ou alors de le boycotter. On le prend toujours avec joie et avec amour. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on donne, mais c'est la façon avec laquelle on le donne. Alors, en ce début de mois, je vais dire à toutes les femmes et à tous les jeunes qui nous regardent, les jeunes hommes qui nous regardent, que travailler, c'est bien. Il ne faut pas seulement rester et attendre qu'on vous donne. Tous ces billets qu'on voit à l'écran, là, vous pouvez travailler et puis les obtenir. Ce sont juste des blagues. Quand on dit, voilà, il faut donner telle somme. Mais de nos jours, une jeune fille ne doit pas seulement attendre un retour, un retour de ses amis, de son entourage. Dis, voilà, mes parents, mon petit ami, il doit me donner tel montant. Pourtant, toi-même, tu ne fournis aucun effort. Alors, moi, je conseille à toutes les personnes qui nous regardent de travailler, car à travers le travail, ils peuvent obtenir plusieurs billets de Marie Gombert. Plusieurs billets de Dagobert, plusieurs billets de Cécile, etc. etc. Okay. Alors, je pense qu'il est l'heure d'accueillir notre invité sur ce plateau. Compte tenu du temps, j'ai voulu laisser l'autre image de l'homme qui était arboré avec le pain du président de la République. Grâce au concours de la région, on va la voir en image. Alors, dis-nous un mot à propos d'Arel, à propos de cette image homme. Ça, c'est un RDPiste, biaïste, jusqu'au fond de la moelle des os, tu vois un peu. Donc, c'est le genre de personne qui se place devant les gens et dit « Vive Paul Biya, vive le tout-puissant Biya, le patriotisme. » Non, ça, c'est un patriotisme. Vraiment, je ne sais pas. Calé. Exagéré en tout cas. Ouais. Donc, en tout cas, on aime bien voir ces images comme ça. Là, c'est des personnes qui affirment leur patriotisme, l'amour pour leur parti politique également. Ça, pour leur pays. Et pour leur pays également, pourquoi pas. Alors, on va passer à la deuxième articulation de ce programme. On va accueillir notre invité. Mais avant, on n'a pas oublié nos fan clubs. Parce que je reçois déjà les messages là. Je reçois les messages de nos fan clubs de Ousseri, Douala, Kribi, Bachia, Bouyambassa, Edeya, tout le monde. Même à l'international également, on a des personnes qui nous saluent à travers les messages. On pense à vous. On vous souhaite un bon début de week-end. Et on espère que ce week-end sera soda champagne. Ça sera en couleur. Et puis, vous allez également profiter de ce bonheur que vous désirez. Alors, j'ai à ma compagnie sur ce plateau un jeune entrepreneur. Lui, c'est Béjurustin Nyandote. Voilà, j'espère que je prononce bien son nom. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Lui-même, il va venir nous dire ici d'où vient ce nom, parce que c'est ma première fois d'entendre ce nom au Cameroun. Il m'a dit qu'il est camerounais. Le nom ou le prénom. Ouais. Béjurustin Nyandote, c'est vraiment très, très compliqué. Il va nous dire d'où vient ce nom. Mais je pense qu'on va d'abord prendre la transition. Et puis, on se retrouve derrière pour l'accueillir. Nous sommes de retour sur le plateau du Monde en Relation, chers téléspectateurs. Nous sommes à la compagnie de notre invité. Il est jeune entrepreneur, physicien et mécanicien.
Il va venir nous parler de la mécanique parce que vous avez souvent entendu parler des gens qui développent des applications, des gens qui développent, qui fabriquent des robots, qui développent des applications. Le numérique, en fait, on parle ici aujourd'hui du numérique, l'importance du numérique, les défis également du numérique dans notre société actuelle. Alors, Béjuristin Nyondete, c'est ça, Nyondete, bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir Landry, bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, je suis ravi d'être sur le plateau d'Info TV dans l'émission Le Monde en Relation. C'est un honneur pour moi de venir ici partager le peu que je connais avec des jeunes entrepreneurs comme moi, avec des personnes qui nous regardent ici et ailleurs. Alors, Béjuristin, dis-nous un petit coup d'histoire sur vous. Béjuristin Nyondete est de la région de l'Ouest. Voilà, mais il est né dans le Mbam. Mbam, à Lablé. Il a grandi à Ezeka, il a grandi au centre. Il a fait la majorité de son enfance au centre. C'est pour ça qu'il parle plusieurs langues, comme par exemple le Bengaka, le Bassa, et un peu... Et alors, chez vous, on dit comment? C'est quel village, Alvois? Vous voyez, au village, c'est Bagam. Bagam, bonsoir, bon début de week-end, comment? Oh là là, bon début de week-end, bon, il y a les mots, bonsoir, je t'aime, on dit je t'aime, voilà, je t'aime, c'est Minkyo, un peu comme, oh là là, il faut dire, à la fin de l'émission, il va noter ce mot là, parce que c'est à ça que je vais fonctionner maintenant, voilà, Minkyo, voilà, il a grandi dans la région du centre, où il a fait son parcours, études primaires, études secondaires. Il est aussi allé à la région de l'Ouest, où il a eu son baccalauréat, avant de revenir à la région du centre faire l'université. L'université de Yaoundé 1, filière physique, option mécanique, mécanique et système complexe. Voilà. Juste après, il a obtenu une certification internationale en management et entrepreneuriat avec une université étrangère. Il s'est lancé dans l'entrepreneuriat et avec de la famille et des amis, il a monté la toute première entreprise, Immobis, oui, qui est celle-ci, qui est une application déjà présente sur Play Store. Nous allons développer ça tout à l'heure. Et à côté, il y a 5 autres entreprises qui sont en cours de développement et un site web déjà, il y a une envergure internationale, oui, déjà, qui est lancée et qui bat vraiment de l'aile. D'accord. Voilà. Alors, dites-nous, depuis quand vous avez commencé à côtoyer le monde de l'entrepreneuriat? Voilà. J'ai commencé à côtoyer le monde de l'entrepreneuriat à l'âge de 19 ans. C'était après le baccalauréat. Vous savez, après le baccalauréat, tous les jeunes rêvent de réussir un concours, etc. Je m'en rappelle à l'époque très brillant puisque j'ai eu un baccalauréat scientifique C avec mention assez bien. Je savais que peu importe le concours que j'aborde, j'ai des chances de réussir. Mais c'est après avoir échoué à pratiquement 3 que je me suis rendu compte que c'était compliqué. En fait, la réalité qu'on nous montrait au lycée n'était pas celle qu'il y avait sur le terrain. Sur le terrain, on voyait qu'il y a d'autres paramètres qu'on ne va pas citer ici, mais qui sont connus du camp public camerounais. Alors, à l'âge de 19 ans, je me pose la question. J'ai toujours rêvé d'une vie meilleure. J'ai toujours rêvé de cette vie-là, des jeunes qui voyagent en jet privé, des jeunes qui voyagent en classe affaires, etc. Et quand j'essaye de peser, je me rends compte que ces concours-là ne peuvent peut-être pas me donner ça et que je dois me rediriger vers l'entrepreneuriat. Je commence à ce moment, à 19 ans, avec des petits projets, des projets qui allaient déjà à 150 000 francs CFA de fonds, etc., etc., qui sont couronnés par certains échecs dus au manque, premièrement, de formation, dû au manque de foi de mon entourage. Vous savez, à 19 ans, vous avez des amis qui ont moins de 19 ans, 17 ans, etc. Ils sont des personnes qui ne sont pas toujours focalisées. Voilà. Donc, c'est comme ça, à l'âge de 19 ans, que je me lance dans l'entrepreneuriat et que je commence à créer, je commence à travailler au fur et à mesure et me faire former surtout. D'accord. Alors, Béjuristin, comment vous êtes également arrivé dans le numérique? Parce qu'il faudrait dire que vous êtes physicien et mécanicien à la base. Comment vous vous retrouvez dans le monde du numérique? Est-ce que c'est votre choix qui vous amène vers le numérique? Ou alors c'est parce que le numérique de nos jours est devenu un élément indispensable, incontournable, qu'on ne peut plus rien faire sans le numérique? Voilà. Qu'est-ce qui m'amène dans le numérique? Vous savez, lorsqu'on parle de multimilliardaires dans le monde, vous allez les voir. Ce sont des personnes ayant des applications. On va prendre le cas de Alibaba avec Amazon. On va prendre le cas de Steve Jobs, sans Facebook. Publicité. Voilà, sans publicité, mais bien sûr. On va prendre le cas de tous ces géants. Vous comprenez? Vous comprenez qu'avec une application, il est très facile de quitter de zéro à héros. Mais ce n'est pas la raison première qui m'a fait entrer dans le numérique. En effet, notre papa, il est bailleur.
Il a deux immeubles du côté de Biémassi. Et lorsqu'il était du côté de la Chine pendant son stage, vous voyez, pendant son stage en Chine, alors c'est moi qui gérais les deux immeubles. Avant qu'il ne parte, je voyais les difficultés qu'il avait pour gérer la cité. Moi-même, je suis resté par derrière, j'ai vu que c'est vraiment une tâche qui n'est pas facile. Alors, lorsque mon frère cadet, Aïma Nyandete, qui est par ailleurs le directeur général de notre structure, voilà, entre à l'université après son baccalauréat, il s'oriente vers l'informatique. Une fois orienté vers l'informatique, alors il commence à concevoir un logiciel, puisqu'il a fait une université ici à Yaoundé. Il se lance à la conception d'un logiciel qui va aider notre papa à gérer les logements. Moi, ayant de l'expérience dans l'immobilier, alors il utilise mes connaissances pour mieux modéliser le logiciel. Étant donné que nous étions dans la même chambre à Biémassi, alors qu'est-ce qu'on faisait? Lui, il connaît le code, il est informaticien. Et moi, je connais le domaine de l'immobilier, je connais de rédiger un contrat de bail, je connais la psychologie du bailleur, la psychologie du locataire. En fait, je sais ce qu'il faut écrire à l'intérieur. C'est cette synergie alors qui fasse en sorte que nous développons GCL Immobilier, logiciel de gestion immobilière. Nous avons utilisé ce logiciel-là depuis l'année, c'est depuis 2017, oui, si je ne me trompe pas, depuis 2017 que je calcule les factures de la cité, des deux cités, en utilisant GCL Immobilier. Juste après GCL Immobilier, puisque GCL Immobilier était cantonné aux machines, c'est-à-dire uniquement dans les laptops desktop. Alors, nous avons décidé de franchir le cap et d'agrandir la chose. GCL qui n'était que cantonné à la gestion immobilière, maintenant s'est vu augmenter, on va dire, transformer en application. Celle-ci, Immobis, voilà, qui est cette application-là qui permet non seulement de gérer les logements, mais aussi de valoriser les logements et trouver des locataires. D'accord. Voilà. Alors, okay. Vous êtes, monsieur Berry Juristin, voilà, vous oui. êtes, vous avez dit tout à l'heure, titulaire d'un baccalauréat scientifique. Licence. Et d'une licence. Oui. D'accord. Et vous avez soulevé tout à l'heure dans vos propos le souci de formation qui est d'un énorme problème pour la jeunesse camerounaise aujourd'hui, peut-être par un souci de moyens financiers ou alors même pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance toujours de faire des grandes études. Est-ce que vous pensez qu'un jeune qui vous regarde à l'écran aujourd'hui, qui n'a pas eu la grâce d'avoir à faire les mêmes études que vous, peut se retrouver en autodidactie en train de réaliser les mêmes œuvres que celles que vous faites aujourd'hui? Voilà. Alors, c'est une question assez importante. Je vais dire, tout un chacun a sa chance. Je ne pense pas que les études que j'ai faites aient vraiment un rapport avec ce que je suis en train de faire actuellement. Vous voyez, là, je travaille avec des développeurs, puisque nous avons plus de 6 développeurs, 10 développeurs actuellement, puisque nous avons 4 stagiaires informaticiens, 6 que nous payons chaque mois, vous voyez un peu. Je travaille avec des développeurs, je maîtrise déjà certains langages informatiques, les notions telles que le back-end, le front-end, etc. Mais je n'ai pas une formation d'informaticien ingénieur à la base. J'ai fait des cours d'informatique, j'ai fait de la programmation dans mes études d'ingénieur, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et même au niveau master, nous avons fait des cours de programmation, vous voyez un peu. Mais ce n'est pas vraiment c'est pas mon champ d'action. Alors, si je veux répondre à cette question, je dirais oui. Peu importe si ce jeune a subi une formation dans le domaine ou alors s'il n'a pas subi de formation dans ce domaine, il a toutes les chances d'exceller dans ce domaine. Vous savez, l'entrepreneur, c'est celui-là qui constate un problème de la société, n'est-ce pas? Un problème qui mine la société et décide d'y trouver une solution. À partir du moment où vous pensez de cette façon-là et que vous vous donnez les moyens, vous vous entourez de personnes qui vont dans ce sens-là, alors vous avez déjà réussi. Alors l'application, elle existe depuis un bon bout de temps aujourd'hui. Oui. Bon, c'est vrai que Landry disait tout à l'heure que le monde est devenu un véritable village planétaire à travers le digital. Est-ce que vous ressentez vraiment du répondant à travers l'existence de cette application sur Play Store? Est-ce qu'il y a des visiteurs? Est-ce que les personnes s'y intéressent? Si oui, à quelle échelle? Sinon, qu'est-ce qui fait réellement problème? Voilà. Alors, sans vous mentir, l'application, elle n'est qu'en version test actuellement, vous voyez. Parce que lorsqu'on publie une application, il y a la version bêta. La version bêta, c'est cette version qu'on ouvre au public pour qu'il apprécie le produit et qu'il nous dise de quelle façon est-ce que nous allons le modifier pour qu'il soit un peu plus adapté. Alors, l'application en version test actuellement avec plus de 1000 téléchargements et 1000 utilisateurs. Vous pouvez voir un peu. Alors, lorsque nous avons mis l'application en version test, alors il y a eu plusieurs personnes se sont ruées dessus, n'est-ce pas, pour la télécharger. Nous avons notamment des personnes dans d'autres pays. Nous avons plus de 10 pays africains actuellement qui testent l'application. Super. Est-ce que vous imaginez? Côte d'Ivoire, Togo, Mali, nous avons près de 3 groupes WhatsApp pleins
de personnes qui testent l'application avec nous. Nous avons des personnes qui ont téléchargé l'application et qui ont posté, n'est-ce pas, déjà. Vous allez voir des terrains, vous allez voir des logements meublés, non meublés, etc. Vous allez voir des offres dans le domaine de l'immobilier. Pourtant, cette version-ci a juste été ouverte au public, n'est-ce pas, dans le cadre de la levée de fonds que nous avons engagée. D'accord. Puisque nous avons engagé une levée de fonds et nous avons pu lever 13 millions de francs CFA, 13 600 000 francs CFA, n'est-ce pas, sur la plateforme Tagus Investment en 3 mois pour alors, notre application. Alors dites-moi, Benjirisson, est-ce que vous pensez que le domaine de l'entrepreneuriat de nos jours au Cameroun est un domaine dans lequel vous encouragez les jeunes à se lancer? Est-ce que de nos jours, vous c'est un pain que vous encouragez, c'est-à-dire un jeune qui vous regarde aujourd'hui, qui travaille peut-être dans le gouvernement et qui aimerait dès ce jour travailler à son propre corps? Est-ce que vous conseillez à celui-là de se lancer dans le domaine, dans le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce que ça nourrit véritablement son homme chez nous au Cameroun? Voilà. Vous allez parler là d'un jeune qui travaille pour le gouvernement ou peut-être qui ne travaille pas. Ouais. Moi, par exemple, je travaille pour le gouvernement, mais je n'ai pas l'habitude de le dire. Ouais. Vous voyez un peu. Travailler pour le gouvernement, avoir quelque chose, c'est une sûreté. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est important parce que beaucoup sont dans cette zone-là. Mais maintenant, entreprendre à côté, ça permet d'avoir une plus-value, avoir quelque chose en plus. Ça veut dire quoi? Je peux bien travailler pour le gouvernement, mais j'ai mes entreprises à côté, j'ai mes business que je développe. Alors moi, je conseille à tout jeune qui me regarde actuellement de se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout de persévérer. Vous voyez un peu, il ne suffit pas de se lancer, mais il faut se lancer, il faut persévérer. Je vais prendre notre cas par exemple. Nous nous sommes lancés il y a de cela 2 ans. Nous avons eu beaucoup de challenges. Il fut des moments où nous n'avions pas le loyer. Nous avons commencé dans une chambre à Obili, 45 000 le mois. Actuellement, nous sommes à Biémassi, 100 000 le mois. Un appartement que nous louons pour notre entreprise. Alors, il y a des moments où vous pouvez passer 2 mois sans changer de chaussures, ou alors vous passez même 6 mois avec 2 chaussures, etc. Mais c'est le prix à payer. C'est-à-dire quoi? Je vais conseiller aux jeunes de se lancer, mais je vais dire s'ils se lancent, qu'ils se lancent avec du sérieux et qu'ils s'y mettent réellement. Ne vous lancez pas pour vous lancer pour avoir le titre de CEO, pour avoir une start-up, etc. Mais lancez-vous et persévérez. Mettez tous les atouts de votre côté pour évoluer. D'accord, vous êtes jeune, vous vous êtes lancé dans un domaine très précis avec vos moyens personnels. Mmh. Et depuis que vous vous êtes lancé, est-ce que vous avez ressenti ou alors est-ce que vous avez fait appel à d'autres pouvoirs? Je voudrais parler peut-être des ministères qui sont vos ministères de tutelle, l'urbanisation et l'habitat. Ou alors, je voudrais parler également du ministère des petites et moyennes entreprises. Est-ce que, à votre niveau, vous avez pensé à faire appel au soutien de ces ministres-là pour ne plus rester une petite entreprise, mais une grande entreprise qui pourrait donner la chance à plusieurs jeunes également qui sont au quartier de pouvoir être comme vous aujourd'hui? D'accord, merci. Merci pour la question, elle est vraiment intéressante. Alors, vous savez, lorsque vous vivez dans une maison et que vous connaissez votre papa, je pense que vous connaissez comment il fonctionne, vous connaissez comment est-ce que vous pouvez l'aborder. Alors moi, je veux prendre ce gouvernement comme mon père, n'est-ce pas? Je sais que mon père aime un produit fini. Je sais que mon père aime un produit élaboré. Actuellement, nous n'avons pas encore vu des pouvoirs publics. Nous ne sommes pas encore allés voir le ministère des petites et moyennes entreprises ou bien d'autres organismes en charge du domaine que nous faisons, n'est-ce pas? Justement parce que nous voulons avoir un produit élaboré avant de les aborder. Mais néanmoins, nous avons eu des aides extérieures. Par exemple, l'investisseur africain, Monsieur Jean-Yves Barbeau, il est de nationalité ivoirienne vivant à Dubaï. Lorsque nous mettions notre application sur Play Store, il nous a envoyé 500 euros. Super. Vous voyez, nous avons eu d'autres personnes qui ont supporté l'initiative, qui nous ont envoyé du matériel. Et puis maintenant, d'autres personnes, des investisseurs à travers le monde qui nous ont financés et qui nous ont permis d'atteindre ces caps-ci que nous avons aujourd'hui. Mais là où nous allons consulter nos papas, là où nous allons aller toquer la porte du gouvernement, c'est par rapport à l'événement qui est en train de se passer, qui va se passer d'ici pour Cameroun, la CAN. Vous voyez. Alors, nous allons nous battre, puisque la version commerciale est déjà disponible actuellement de notre application. Nous allons nous battre pour faire de notre application la référence. Pourquoi? Parce que grâce à notre application, vous pourrez être au Congo et puis vous commencez à discuter avec un bailleur qui est aux alentours de Japoma ou de Fandina. Vous louez un appartement meublé ou un hôtel. Alors, nous allons nous battre grâce au pouvoir public, puisque nous allons les aborder déjà. Nous avons déjà commencé et ils sont favorables pour que Immobis soit l'application de référence pour trouver le logement au Cameroun pendant la CAN. Okay. Et nous sommes sûrs, grâce à ça, nous prendrons notre envol pour quitter le statut de petite entreprise à une multinationale. D'accord. Alors, Olga, une question pour notre invité. Oui,
alors monsieur Béjurestin, oui. Alors depuis que vous êtes lancé dans le monde de l'entrepreneuriat, vous avez certainement fait face à plusieurs difficultés. Et est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui vous regardent et qui aimeraient également se lancer dans ce même milieu, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce domaine? D'accord. Je vais vous dire la première difficulté. Beaucoup ont tendance à dire l'argent, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas dire c'est l'argent. La première difficulté que nous avons eu à rencontrer, c'est la foi. La foi. Pourquoi? Parce que moi, je suis plein d'énergie. Et j'avais l'habitude d'énergiser l'équipe. Par exemple, vous allez voir certains ingénieurs sceptiques, ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de salaire. Ils sont juste là parce que vous leur avez fait grandir le projet dans leur tête. Vous voyez un peu. Mais beaucoup vont vous aborder et vous demander si ça va réellement réussir. S'ils ne sont pas en train de perdre leur temps. C'est à vous, leader, de savoir comment est-ce que vous allez leur parler, comment est-ce que vous allez les énergiser, comment est-ce que vous allez les encourager, vous voyez. Donc, la première difficulté, c'était la foi de mon entourage, la foi de ceux avec qui je travaillais, vous voyez un peu. La deuxième difficulté, c'est la difficulté financière. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, il y a des trucs, il y a des préalables. Enfin, on a besoin d'un peu d'argent pour pouvoir implémenter ce que nous faisons. Vous allez beau miroiter, ok, l'application va générer le milliard de dollars de chiffre d'affaires, 10 dollars par an, voilà ce que ça va donner, etc. Voilà, vous voyez un peu. Mais cependant, si de temps en temps vous ne motivez pas, s'il n'y a même pas le taxi, s'il n'y a même pas de quoi manger, etc., alors ça ne donne pas. Donc, l'argent a été une difficulté à un moment donné. Voilà. Et une autre difficulté majeure aussi, c'est l'acceptation. Vous savez, lorsque vous venez avec un truc comme ça, beaucoup de personnes ont peur. Par exemple, certains agents immobiliers voyaient Immobis comme une sorte de concurrent. Concurrence. Voilà, concurrence. Pourtant, ce n'est pas le cas. Mmh. Immobis sur Immobis, les bailleurs, les agents immobiliers ainsi que les agences immobilières postent leur logement. Donc, cette difficulté-là a fait en sorte que beaucoup d'agents immobiliers, lorsqu'on les approchait, ils se disaient que c'était la concurrence. Mais c'est lorsque nous les avons bien expliqué qu'ils ont compris en fait qu'Immobis, c'est un réseau social immobilier. D'accord. Qui leur permettait de valoriser leurs biens. Ok, alors, bien qu'il y a une question à de notre invité. Alors, monsieur Béjuristin, nous savons que l'entrepreneuriat, c'est un véritable challenge. Et est-ce que la concurrence est rude? Vous avez parlé de la concurrence. Est-ce que la concurrence est rude? Est-ce que vous vous retrouvez face à certaines situations concernant les concurrents et tout? Comment vous gérez la pression des autres qui sont dans le même domaine d'activité? Voilà. Lorsque vous parlez de concurrence ici, elle est vraiment rude. Parce que vous parlez de très gros géants, n'est-ce pas? Pour ne pas faire la publicité, mais je vais un peu les citer pour certains. Vous connaissez peut-être Booking.com ou Airbnb. Ce sont des géants dans le domaine. Lorsqu'il y a des matchs de la Ligue des Champions, vous allez voir en bordure des stades, vous allez voir leurs marques, etc. Et ce sont des entreprises ou bien des applications, ou alors des plateformes qui sont déjà utilisées dans le domaine. Alors, la concurrence a des tailles, mais nous avons su innover. Vous voyez un peu. Ils ont été conçus pour les Occidentaux, pas pour nous. Alors, nous avons contextualisé la chose. Quand vous entrez dans notre application, vous comprenez que ça a été conçu pour les Africains et pas les Africains. Vous comprenez un peu. Avec toutes les facilités que vous pouvez voir. Généralement, vous voyez les plaques en bordure de route, studio ou bien appartement. Mais vous ne voyez pas les détails dessus. Mais sur notre application, vous voyez les photos de la maison. Vous voyez là où c'est situé. Vous voyez le nombre de chambres, le nombre de douches, etc. Et vous pouvez cliquer sur contacter. Vous chatter avec le bailleur ou alors vous appelez le bailleur directement. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et en plus de ça, là où nous avons innové, en fait, nous n'avons pas peur de cette concurrence. Pourquoi? Parce que nous avons innové. Nous avons innové avec la gestion locative. Ça dit quoi? Vous entrez dans l'application, vous êtes bailleur, vous enregistrez votre locataire via l'application, vous générez le contrat de bail de façon automatique. Chaque mois, si vous avez même 100 locataires, ils sont classés par ordre de qui doit vous payer le plus proche. Et quand quelqu'un devient insolvable, l'application envoie une notification. Chaque fin de mois, à l'échéance, l'application envoie une notification. Elle vous permet aussi de trouver des spécialistes de l'immobilier. Les carreleurs, les peintres, les staffeurs. Ça dit votre robinet se gâte à la maison. Vous téléchargez l'application Immobis. Mm-hmm. Vous trouvez un plombier dans les alentours et l'affaire est résolue. Alors Béjuristin, on a du mal, dans notre contexte actuel, on a du mal à accepter le 100% made in Cameroun. Mm-hmm. C'est-à-dire les produits qui viennent de chez nous. Consommer ce qui nous est propre. Oui. Alors, est-ce que cela ne cause pas un problème à votre entreprise, à votre travail, avec ce rejet du 100% made in Cameroun? Voilà. Vous avez pleinement raison, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que beaucoup qui font dans le made in Cameroun ne misent pas sur la qualité, n'est-ce pas? Et parfois hésitent sur les moyens.
Ils veulent avoir une grande entreprise, mais ils ne veulent pas mettre les moyens à disposition. Sans vous mentir, la version C que vous voyez actuellement, cette version test ici, n'est-ce pas, a été faite avec un vieux langage de programmation. Je vais l'appeler vieux, mais il est classé 3e dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est un cousin à moi, un frère du côté de la Chine qui voit l'application, il voit le travail, il me dit c'est bien. Mais au bout peut-être de 10 000 ou 100 000 utilisateurs, alors le système va crasher et puis il n'y aura pas de suite. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous avons donc été obligés de faire comment? De former nos ingénieurs, vous comprenez un peu, un nouveau langage de programmation. Cela nous a coûté plus de 3 millions de francs CFA. Est-ce que vous comprenez un peu? Le langage, c'est le React Native. Et c'est le même langage avec lequel Facebook a été conçu. Donc vous comprenez qu'actuellement, l'application Immobis est conçu avec le même langage avec lequel Facebook a été conçu. Ça veut dire, on parle de fluidité, on parle de rapidité, on parle de réactivité. C'est le langage natif même. Donc avec ceci, nous avons foi déjà que l'application sera accueillie par le Camerounais et qui va l'accepter. Pourquoi? C'est certainement made in Cameroun, mais les connaissances et les outils et la formation que les ingénieurs ont subi venaient de l'étranger et venaient des grands professeurs de l'autre côté. Et ils ont su maîtriser le langage et au jour d'aujourd'hui, il master cela, comme on dit souvent en anglais. Alors, quels sont les défis de l'entrepreneuriat à relever au Cameroun à l'heure actuelle? Voilà, les défis de... du monde de l'entrepreneuriat. Les défis du monde de l'entrepreneuriat à relever actuellement au Cameroun, c'est, je vais encore revenir sur ça, la foi. Pourquoi est-ce que je parle de foi? Il y a d'abord la foi de ton équipe envers le projet et la foi de ton entourage. Vous savez, lorsque vous avez un projet et que vous n'êtes pas supporté peut-être par votre famille, c'est pas évident. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand vous n'êtes pas supporté par les amis, c'est pas évident. Quand je parle des amis, je parle des amis proches, etc. Et ça retourne toujours au niveau de la foi. Pourquoi? Parce que beaucoup se disent que ça ne va pas marcher. Et quand ils se mettent déjà ça en tête, vous voyez, vous avez par exemple parlé d'un projet de 5 millions de francs CFA, quelqu'un va vous dire non, etc. Mais on va dire, il y a un concours qui a été lancé, alors vous allez voir comment beaucoup vont se ruer vers là. C'est parce que du côté du concours, ils ont la certitude qu'ils peuvent réussir. Hein? C'est la probabilité, c'est un demi, soit l'échec, soit la réussite. Soit il réussit, soit il échoue, n'est-ce pas? Mais s'il réussit, alors il aura un salaire et il aura une certaine sûreté. Or, dans le monde de l'entrepreneuriat, eux, ils abordent déjà cela avec l'échec. D'accord. Darren, une dernière question. Monsieur Béjuristin, ils sont nombreux des Camerounais comme vous qui ont mis sur pied des projets, qui vivent et qui, à un moment donné, ont tendance à chuter parce que peut-être par défaut de stratégie, de communication. Quelle est celle que vous avez adoptée pour pouvoir vulgariser votre application de façon à ce que plus d'un Camerounais soit au courant de Immobis? Voilà. Vous voyez d'abord comment je suis habillé, n'est-ce pas? Vous allez me voir comme ça constamment, soit polo, soit t-shirt. Moi, d'abord, je me charge de la communication. Même chose pour nos ingénieurs. Nous n'hésitons pas sur les moyens pour communiquer. Chaque fois que je suis dans un bus, je suis devant un immeuble, etc., je fais l'effort de m'arrêter, donner mes cartes de visite. Nous avons, par exemple, des influenceurs qui nous supportent à l'international, comme l'investisseur africain, avec plus de 130 000 abonnés. Ça dit quoi? Nous pensons à la presse, nous pensons à la télévision, nous pensons au poste à poste dans les maisons, etc. Nous avons des agents commerciaux qui sillonnent les rues de Yaoundé 6e actuellement et qui font du porte à porte pour parler de l'application au bailleur. Ça, c'est l'approche sur le terrain. Nous avons les médias, comme ce que je fais actuellement, n'est-ce pas? Nous avons les supports de communication, nous avons les boostings que nous faisons sur les réseaux sociaux, etc. Donc, nous n'hésitons pas sur les moyens pour faire connaître Immobis. Immobis n'a que un an, quelques mois, vous voyez, n'est-ce pas? Mais entre déjà dans la conscience des Camerounais. Et c'est ce que nous souhaitons faire. Et l'événement majeur où nous allons faire un max de communication, c'est la CAN. Vous voyez un peu, pour que Immobis soit non seulement reconnu nationalement, mais internationalement. Donc la stratégie, c'est celle-ci, la communication et la communication. L'innovation aussi, les mises à jour de plus en plus performantes. Communication de qualité, produit de qualité. Voilà la stratégie pour rester debout. C'est très important. Merci. D'accord. Alors, mais Justin, dis-nous, est-ce que vous pensez que de nos jours, un jeune peut se lever et dire, voilà, il se lance dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout dans le numérique? Parce que pour certaines personnes, ce n'est pas le papa, ce n'est pas le toucher. Voilà, c'est, on se lève, on dit, on crée un projet dans le domaine de l'entrepreneuriat et autres. Est-ce que vous pensez qu'un jeune à l'heure actuelle, surtout dans le contexte de notre pays, qui se lève et dit, il se lance dans l'entrepreneuriat, dans le domaine du numérique, peut réellement s'en sortir et nourrir son homme, développer des grandes choses? Est-ce que l'activité que vous faites vous permet de nourrir votre homme? Je vous assure, le numérique, c'est le, comment dire, c'est le domaine de notre ère. Est-ce que vous comprenez? Le numérique, c'est le seul domaine qui ne demande pas trop de moyens, comment dire, financiers et matériels. Par exemple, lorsque vous voulez faire un restaurant, vous connaissez toute la logistique qu'il faut mettre sur pied, n'est-ce pas?
Or, le numérique, c'est ma machine, ma connaissance. Un jeune qui fait dans le numérique s'en sort vraiment. Ouais. Alors, vous savez, pour concevoir un site web, ça partit de 100 000 francs CFA, n'est-ce pas? Ouais. S'il fait assez de, il fait les flyers, il fait assez de communication, il peut gagner 10 sites web de 100 000 francs CFA, ça fait 1 million de francs CFA. Il peut concevoir des applications et pas besoin d'avoir un bureau pour ça. Il a son entreprise virtuelle, il fait de bonnes communications, il a de bons visuels, il est dans sa chambre à Bonas ou bien dans son petit bureau quelque part, n'est-ce pas? Sans vous mentir, il s'en sort pleinement. Alors moi, je conseillerais à beaucoup de jeunes qui aimeraient se lancer dans le numérique, l'informatique, de se lancer. Pourquoi? Parce que c'est un domaine porteur et c'est le domaine dans lequel nous tous nous rions. Vous voyez, de nos jours, les gens ne veulent plus trop souffrir. On ne veut plus souffrir pour avoir à manger, on ne veut plus souffrir pour trouver une maison à louer, etc. Alors, à l'étranger, ça existe déjà, les facilités, mais ici, chez nous, il y a encore vraiment à faire. Et le numérique, c'est... À l'époque, vous savez, il n'y avait pas de numérique. En 1900, etc., c'était plus pratique avec nos parents. Mais de nos jours, c'est le domaine du numérique. La preuve en est, vous voyez, en classe de 3e, déjà, les enfants ont les smartphones, etc. Ouais. On a de plus en plus des applications dans le domaine de l'éducation, des applications dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'immobilier. Vous voyez que le numérique, c'est le domaine du siècle. Alors, pour terminer cette dernière articulation, on va prendre... Quelles sont les stratégies que vous donnez à aux jeunes téléspectateurs qui vous regardent ce soir pour s'en sortir dans le monde de l'entrepreneuriat au Cameroun? Voilà, la stratégie même pour s'en sortir dans le monde de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? C'est travailler ensemble. Vous savez, beaucoup de jeunes ont des projets, ils veulent être le porteur de projets suprêmes. Ils veulent être actionnés à 100% dans son entreprise. Sans vous mentir, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Si vous avez un projet aujourd'hui, ce que je peux vous conseiller, c'est de réunir autour de vous des personnes qui pensent comme vous. Est-ce que vous comprenez? Qui ont la même vision que vous. Même s'ils n'ont pas la même vision, s'ils sont intéressés et qu'ils veulent travailler avec vous, acceptez-les, communiquez-les la vision et évoluez ensemble. D'accord. Vous comprenez alors que pour un projet, par exemple, il faut 1 million de francs CFA. Si je suis seul, je cotise 1 million, n'est-ce pas, comme capital. Mais si nous sommes 4, ça fait 250 000. Vous voyez que le poids est allégé. Oh. Et je vais encore vous dire, si vous avez un produit et que vous communiquez seul dessus, peut-être sur vos statuts, vous êtes les seuls, vos contacts sont les seuls à voir. Mais si vous êtes 4, ça fait combien? Ça fait déjà vos contacts multipliés par 4 qui voyez, n'est-ce pas? Maintenant, si vous êtes 10, si vous êtes 1000, ou alors si maintenant vous êtes 10 000, comme dans notre cas Immobis, vous comprenez que grâce à une telle stratégie, vous pouvez facilement devenir international. Parce que là où je vous parle, n'est-ce pas, Immobis est vu sur les statuts des Ivoiriens, Congolais, Gabonais, Sénégalais, Maliens, etc. Justement, pourquoi? Parce que nous avons décidé de nous ouvrir, nous avons décidé de partager tout le monde. Voilà, autour. D'accord. C'est ça. Alors, grâce au concours de la régie, on va prendre la transition pour la dernière articulation de ce programme. Il s'agit de détecteurs de mensonges, une affaire de Béji Rustin et de Landry Pierrette. On se retrouve derrière. Press start. Alors, ici, nous sommes de retour sur ce plateau. Béji Rustin, le détecteur de mensonges, c'est simple. Hein? Voilà, je t'explique. En dessous de tes pieds, il y a un appareil qui signale si tu nous mens, si tu ne nous dis pas la vérité. Voilà pourquoi ça s'appelle détecteur de mensonges. D'accord. Il détecte directement si la réponse que tu nous donnes, elle est vraie ou alors elle est fausse. D'accord. Bon, tu as le droit de dire la vérité et rien que la vérité. Et si tu auras ta première question, la deuxième question sera un peu plus osée. D'accord. Donc, tu as intérêt à trouver la première question pour ne pas te retrouver étalé. D'accord. Alors, la première question, elle, c'est de savoir quand est-ce que, quel est le jour de la célébration de la Journée mondiale de l'entrepreneuriat? Aucune idée. Négatif. Voilà, la Journée mondiale de l'entrepreneuriat se célèbre le 22 septembre. Alors, c'est peut-être une occasion pour vous de rassembler tous vos entrepreneurs. Voilà, le 22 septembre, de rassembler tous les entrepreneurs pour pouvoir échanger, pour pouvoir voir ce qu'il y a eu de faire dans le monde de l'entrepreneuriat, améliorer les choses. Alors, je vais aller vers une question un peu plus osée. Alors, est-ce que tu es pour ou contre les sextoys, c'est-à-dire les gadgets sexuels? As-tu utilisé les gadgets? Quelle était ça, ta première fois? Venir, hein? Tu es pour ou contre les gadgets sexuels? En dessous de tes pieds, le détecteur de mensonges. Si pour tu veux, ça nous signale. Ou contre? Je suis contre. Contre. Oui. Alors, mais quel était le détecteur nous signale que tu as déjà eu quand même à utiliser une fois? Et c'était en quelle année? À quel âge, tu t'en prends? Négatif.
Le détecteur de mensonges, il nous ment. Ouais, un film menti. Il ne dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Non, mais je vous dis la vérité, puisque ça signale à l'écran. Impossible, impossible. Jamais. Impossible, puisque je n'ai que 25 ans. Donc jamais, même à 20 ans, même à 16 ans. Ce sont des gadgets qui sont nés en Chine tout récemment, et dont l'importation n'est même pas encore très vulgarisée de notre côté. Non. C'est fait en sorte que... Il y a 2 ans, il y a 3 ans. Voilà. On parlait déjà des gadgets. J'étais à fond dans l'entrepreneuriat. Il est malin ce gars. Alors, chers téléspectateurs, c'était tout un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous les filles, merci à Olga, merci à Bianca qui était là. On remercie, je remercie également Patrice Darrel qui était là. On remercie Béjoustin qui était avec nous sur ce plateau. On dit merci à la réalisation avec Ben Vaz et à la diffusion. On a également Célestin et la supervision générale. On a monsieur Dieudonné Vin. Quant à nous, retrouverons-nous la semaine prochaine lorsqu'il est 17h dans le cadre de votre émission Le Monde à Relation. Alors, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Info TV. Bon début de week-end. Bye bye. Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité.